Un enfant de 3 ans a été tué à Little Rock, dans l'Arkansas. Il était à l'arrière de la voiture de sa grand-mère quand un individu a ouvert le feu. L'homme était, semble-t-il, énervé par la conduite de la dame. Il a tiré. La grand-mère ne se serait rendue compte qu'après plusieurs kilomètres que son petit-fils était touché. C'est la deuxième fois en moins d'un mois qu'un jeune enfant est tué par balle, alors qu'il se trouvait dans un véhicule circulant en ville. C'est bien sûr très frustrant pour nos agents de police et pour notre communauté. Le 22 novembre dernier, une fillette de 2 ans était tuée par un coup de feu dans une situation similaire. Elle était sur la banquette arrière d'un véhicule circulant dans Little Rock. Aucun suspect n'a été arrêté jusqu'ici.